Le but de cette animation est de comprendre la notion d'intimité, d'apprendre à adapter ses comportements par rapport aux lieux et aux personnes, apprendre à respecter l'intimité des autres et apprendre à faire respecter sa propre intimité. Le matériel non fourni dans l'outil, 2 ou 3D de grande dimension, et des images du lieu en lien avec le contexte des participants, des images de comportement et des images des différentes relations. L'animateur colle les images sur les différentes faces des dés en créant un dé avec les images de lieu, un dé avec les images de comportement, un dé avec les images des relations. Matériel présent dans l'outil. La fiche sur l'intimité. Cette fiche explique que les 3 conditions requises doivent être réunies pour que le lieu soit un lieu d'intimité. S'il manque au moins une condition, le lieu ne peut pas être considéré comme intime. Les participants s'installent en cercle. L'animateur prend les dés des lieux et celui des comportements et propose à un participant de les lancer. Il interroge le groupe en demandant si le comportement peut se produire dans le lieu désigné et questionne. Que voit-on sur l'image? Qui est présent? Pourquoi est-ce OK ou pas OK? Chaque participant lance le dé à tour de rôle et les mêmes questions sont posées. L'objectif étant de dégager les 3 conditions représentées sur la fiche intimité. Cette fiche est distribuée aux participants pour clôturer la séance. Le matériel nécessaire, le dé avec les lieux, le dé avec les comportements, le dé avec les différentes relations. Pour affiner la notion d'intimité, l'animateur peut apporter de la nuance en rajoutant le dé reprenant les différentes relations vues lors de l'activité des cercles des relations. L'animateur demande à une personne de lancer les 3 dés. Le but est de savoir si ce comportement peut se réaliser à cet endroit dans ce type de relation. Par exemple, peut-on s'embrasser sur la bouche avec son amoureux dans un atelier peinture? Analysons cette situation au regard des dés. Le dé relation, on est dans une relation amoureuse. Le dé comportement, 2 amoureux peuvent s'embrasser sur la bouche s'ils le souhaitent. Le dé lieu, l'atelier peinture ne réunit pas les 3 conditions des lieux d'intimité. Cela signifie que le couple ne peut pas s'embrasser dans ce lieu. Le matériel nécessaire. Les pictogrammes, nous n'aimons pas, dans la fiche comment on entre en relation. Pour initier la notion de consentement, l'animateur peut compléter l'animation en posant des questions, comme « si je ne veux pas voir ce qui se passe, je peux me cacher les yeux, mais j'ai quand même vu. Qu'est-ce que je peux faire des images que j'ai en tête? Si je ne veux pas qu'on me touche, je peux dire non. Comment le montrer? Comment le voir chez l'autre ?» L'animateur montre le pictogramme correspondant à chaque question en illustrant les 5 sens. L'animateur clôture en rappelant que s'il n'est pas agréable qu'on me force, je choisis de ne pas forcer les autres à voir, entendre, sentir, toucher ou goûter s'ils n'en ont pas envie. Pour compléter l'animation sur le consentement, l'animateur peut utiliser le feu tricolore ou des cartons rouges et verts si les participants n'ont pas accès à la nuance dans l'analyse des situations.